Monseigneur, Monsieur le ministre d'État, Monseigneur l'archevêque, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de France, chers amis, Sandra et Gianluca Bragiotti m'ont demandé de prononcer quelques mots en liminaire de la conférence que le général d'armée Jean-Louis Georgelin va prononcer devant vous ce soir sur la construction de Notre-Dame. C'est une tâche à la fois très simple et assez ardue. Très simple parce que, comme on dit, le général needs no introduction. Je rappellerai simplement brièvement ici sa carrière, dans ses moments les plus récents, chef d'état-major particulier du président de la République, notamment du président Jacques Chirac. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années, et c'est ce qui m'autorise à aujourd'hui faire son introduction au nom d'une amitié qui peut vous sembler curieuse entre un universitaire et un militaire, mais ce sont des choses qui se font. Et ensuite, chef d'état-major des armées, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, et finalement, l'aboutissement d'une rencontre finalement avec la culture, si ce n'est avec la religion, chargé de manière exceptionnelle de ce chantier titanesque de reconstruction de Notre-Dame. Alors, général, si on se demande pourquoi vous avez été chargé de ce chantier, je mets cela sur le compte de notre rencontre il y a 20 ans, puisque vous avez à la fois montré à ce moment-là que le grand stratège que vous êtes est également un homme d'une profonde culture, et quelqu'un qui est parfaitement à l'aise, aussi bien sur le champ de bataille, dans le conseil au chef d'État, le chef d'état-major particulier en France assiste à presque toutes les audiences officielles du président de la République, il est à ses côtés, et également parce que vous avez été considéré par le président Macron comme celui, du fait de vos capacités de stratège, qui serait à même de mener à bien un chantier d'une extrême difficulté et qui ne s'est jamais présenté. Car jamais nous n'avons eu à faire face à une catastrophe pareille. Jamais la décision d'agir n'a été aussi rapide et aussi décisive. Et vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Il vous a fallu mobiliser des ressources dans l'ensemble des corps de métier, l'ensemble des administrations. Et comme on le sait, quand on est en politique ou dans la haute administration, les lenteurs, les retards s'accumulent. Avec vous, il n'en est rien. Et ceux qui oseraient vous mettre ce chantier en retard auraient affaire à vous, et chacun le savait fort bien. Donc, vous allez nous parler ce soir de cette œuvre extraordinaire. Alors, ça peut sembler particulier que dans la République laïque, on confie à un général la restauration d'une cathédrale. Mais Notre-Dame, bien sûr, Monseigneur l'archevêque, est une cathédrale, mais ce n'est pas seulement une cathédrale. C'est aussi un symbole, non seulement de la France, dans son identité transhistorique et internationale, mais c'est aussi, ne serait-ce mais pas uniquement, grâce à Victor Hugo et à toute la littérature qui s'en est en suivie, c'est aussi quelque chose à quoi s'identifie de manière diverse un grand nombre de peuples, de populations sur la planète. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dès que la nouvelle a été connue, que l'horreur s'est emparée de tout le monde, et j'étais moi-même un témoin oculaire, parce que je n'habite pas très loin de l'incendie, c'était quelque chose de bouleversant, les dons et les souscriptions ont afflué, et vous avez dû donc gérer cet argent venant de partout. Mais je crois que j'ai assez parlé, je vous laisse maintenant avec le général, qui, non seulement, comme je l'ai dit, est un homme de culture, mais doté, vous le verrez, et c'est aussi quelque chose qui est un signe des grands esprits, d'un très solide humour dont j'espère vous nous ferez également participer. Profitez. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence et vous laisse désormais
avec le général. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation à faire cette conférence très attendue. Bien, merci, monsieur le professeur. Je craignais que vous ne fassiez toute la conférence et que j'aurais pu repartir après. Comme ça, c'était plus simple. Bien, Monseigneur l'archevêque, monsieur le ministre d'État, messieurs et membres du gouvernement, monsieur l'ambassadeur de France, et si vous me permettez, Monseigneur, je salue celui qui, je crois, se dessine derrière lui pour prendre ce poste ô combien important, l'ambassadeur de la République française à Monaco. Et permettez-moi de saluer tout particulièrement mon ami Maître Boëry et son épouse, qui depuis maintenant 12 ans, je crois, m'invitent chaque année dans votre principauté, Monseigneur, ce qui est pour moi le plus grand des plaisirs. Alors vous avez dit à quel point cet incendie de Notre-Dame avait marqué les esprits, et une soirée comme celle-ci à Monaco en est un nouvel exemple. Tout le monde se souvient chacun se souvient où il était le soir de ce drame. Et je pense profondément que si, par exemple, c'était le château de Versailles qui avait brûlé, on n'aurait pas eu du tout, mais alors pas du tout, le même type de réaction, et on ne serait pas allé chercher un citoyen hors des sphères de la rue de Valois, c'est-à-dire du ministère de la Culture, pour reconstruire le château de Versailles. On aurait fait ça dans les normes qui prévalent en France, ça aurait pris 50 ans sans doute, mais j'exagère toujours un peu. Mais on aurait sans doute fait ça selon les normes habituelles dans la République française. Cet événement a été si considérable. Il se trouve, Monseigneur, car j'ai lu ce matin le journal local, Monaco Matin, c'est ça. Et j'ai vu que ce soir, au diocèse, il y a la projection du film de Jean-Jacques Haneau, Notre-Dame brûle. Jean-Jacques Haneau, lui qui a des moyens beaucoup plus considérables que l'État, quand il a fait son film, il avait d'ailleurs montré son script, a mis une équipe qui a lu et analysé toutes les réactions dans la presse de toute la planète, toutes les réactions après l'incendie de Notre-Dame. D'ailleurs, il y a une séquence dans le film où on voit un peu partout tous les journaux télévisés de la terre entière s'ouvrir sur l'incendie de Notre-Dame. Malheureusement, il n'a pas pu restituer tout dans le film. Et par exemple, il me racontait que des chameliers sur les bords du Niger sont descendus de leurs chameaux et ont prié dans leur religion face à la France pour Notre-Dame. On a vu des orthodoxes à genoux devant l'ambassade de France à Moscou prier pour Notre-Dame. On a vu à Times Square partout des réactions énormes, sans compter évidemment les réactions en France et notamment les réactions au bord de la Seine à Paris. Ce qui montre qu'il s'est passé ce soir-là un événement tout à fait exceptionnel qui touche au cœur de la France, qui touche au cœur de notre nation française, et même si la France, dont on disait qu'elle était la fille aînée de l'Église, Monseigneur, s'est un petit peu détournée de sa vocation catholique et chrétienne, on a senti, comme l'a écrit Chantal Delson dans l'article du Figaro le lendemain matin, on a vu ce soir-là l'âme de la France remonter. Et l'engouement pour cette reconstruction de Notre-Dame ne s'est jamais, jamais, jamais affaibli, et je le ressens toujours. C'est d'ailleurs face à cette situation, je crois, que le président de la République a senti dans la nuit qu'il se passait quelque chose de profond, que cet événement touchait toute la nation, et que par conséquent, cette affaire de la reconstruction de Notre-Dame devenait la sienne. Elle n'était pas simplement celle du ministre de la Culture, elle était de sa responsabilité,
Et il s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un pour reconstruire cette cathédrale. Alors il se trouve que ce quelqu'un, c'est moi, mais vous imaginez bien que lorsque un de mes anciens aides de camp m'appelle pour me dire « Mon général, Notre-Dame brûle », j'étais à 100 lieues d'imaginer que c'est à moi qu'allait échoir cette immense responsabilité. Et c'est ce qu'avec toutes les équipes qui m'entourent, je fais depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Le jour même de l'incendie, le 16 avril à 18h, je reçois un appel téléphonique du chef d'état-major particulier du président, l'amiral Rogel, qui me dit « Mon général, le président vous attend à 18h, il veut vous confier la restauration de Notre-Dame. » Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? C'est très amusant. Mais si, venez, il veut vous confier la restauration de Notre-Dame. » Et je rencontre donc le président Macron le 16 avril à 18h. Et il me dit « Voilà mon général, j'ai voulu trouver une personnalité pour reconstruire cette cathédrale et il a fixé 3 conditions qui sont toutes les 3 intéressantes et particulièrement judicieuses. La première, c'est qu'il faut que ce soit un catholique. C'est important, je ne rate jamais une occasion de dire que je ne restaure pas un monument gothique, je restaure une église catholique et l'objectif est de rendre à l'archevêque de Paris sa cathédrale à la fin des travaux, même si dans le même temps, évidemment, il s'agit de restaurer le plus beau monument gothique qui ait jamais été construit en Europe, donc sur la planète. Deuxième caractéristique, et croyez-moi, celle-là est capitale, il faut quelqu'un qui ait travaillé au plus haut niveau de l'État. L'État français est lourd, souvent englué dans des textes administratifs difficiles à manœuvrer. Il ne faut pas se laisser impressionner par tous les docteurs qui savent toujours avant vous ce qu'il faut faire, surtout quand ils ne sont pas concernés et qui sont toujours là pour condamner plutôt que pour agir. Il ne faut pas se laisser impressionner par tous les docteurs du Conseil d'État, de la Cour des comptes, etc. Bref, quelqu'un qui a déjà guerroyé avec ces gens-là. Et il se trouve que dans les fonctions que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le professeur, j'ai eu quelques combats avec ces cercles-là. Et enfin, il a dit qu'il fallait quelqu'un qui ait de l'autorité, le président de la République, supposé que normalement, ce n'est pas toujours le cas, un général doit avoir une certaine autorité. Et me voici embarqué dans cette aventure. Évidemment, je ne discute pas. Le président me demande de venir. Un militaire, quand on l'appelle pour servir son pays, il répond présent. Il ne discute pas de conditions bassement matérielles. Il part et il réfléchit ensuite seulement à l'aventure dans laquelle il s'est embarqué. Peut-être aurait-il mieux fait de réfléchir plus sereinement et plus calmement. Et il me dit, vous ne me posez pas de questions. Je lui dis, non, monsieur le président, vous me demandez, je suis là. Il me dit, vous serez mon représentant spécial. Je lui dis, très bien, monsieur le président. J'insiste sur l'aspect essentiel de cette fonction-là. Plus tard, on fera un établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame. Mais avant d'être le président de cet établissement public, placez-lui sous la tutelle du ministre de la Culture, à l'époque, monsieur Franck Riester. Au passage, j'observe que j'en suis à mon 3e ministre de la Culture depuis le début et que moi, je suis toujours là. J'en suis aussi à mon 2e archevêque. Je ne compte pas l'administrateur, comment vous dites, apostolique ou apostolique provisoire après la démission de Monseigneur au Petit. Voilà. Bref, je suis donc représentant spécial, ça a une conséquence extrêmement importante, c'est que j'ai un bureau à l'Élysée, ce qui surprend parfois. Or, la géographie du pouvoir, vous le savez tous, est importante. Quand un chef d'entreprise ou tel collaborateur ou telle personne
commence à me chauffer les oreilles, ce qui arrive assez fréquemment. Je le fais venir à l'Élysée et je déploie tout un grand numéro pour l'expliquer que les décisions se prennent ici et que s'il n'est pas content, je tends le bras vers le bureau du président. Je suis là pour faire en sorte que cette cathédrale soit réparée dans des délais corrects. Donc le président me dit « Vous serez mon représentant spécial ». Il me dit « Vous ne me posez pas trop de questions ». Je lui dis « Non, la seule chose, monsieur le président, qui me paraît important de mettre au clair tout de suite, c'est de fixer un délai. Depuis hier soir, on entend des phrases grandioses du type « Moi, vivant de grandes stars françaises, qui sont toujours sur les plateaux de télévision dans les grands événements, moi, vivant, je ne reverrai jamais cette cathédrale, je ne prierai jamais dans cette cathédrale, il faudra au moins 20 ans, au moins 15 ans, etc. » Je lui dis « Écoutez, Notre-Dame de Paris, certes, il y a eu un incendie, mais ce n'est pas la cathédrale de Reims. Il a fallu 20 ans pour reconstruire la cathédrale de Reims, qui avait été sévèrement bombardée par les Allemands pendant la guerre de 14-18. Je ne sais pas combien de temps il faut. Il faut 6-7 ans, peut-être. Mais je crois qu'il faut qu'on coupe tout de suite les ailes de ce canard et dire que nous allons restaurer cette cathédrale dans des délais raisonnables. Il me regarde, il tape dans ses mains et il me dit « Mon général, 5 ans ». Alors, les beaux esprits disent « C'est incroyable, on n'a pas réuni une commission pour vérifier combien d'années il faudrait, on n'a pas analysé tous les paramètres, il aurait sans doute fallu 3 ans rien que pour prendre cette décision. On est parti à l'assaut. C'est important, vous rigolez, mais l'humanité progresse avec l'audace. Autant j'entends qu'il y ait des gestes et des décisions audacieuses qui défient l'intelligence des corps constitués et des fonctionnaires extrêmement capés pour aller de l'avant. C'est ce que nous faisons depuis 4 ans et pour le moment en tout cas, ça fonctionne pas trop mal. Et me voici donc embarqué dans cette aventure de la restauration de Notre-Dame de Paris. D'abord, un mot sur cette cathédrale. J'ai dit que c'était un événement tel qu'aucun autre monument en France n'aurait suscité un pareil sentiment de tristesse, de peine et de désir de le voir revivre. Notre-Dame, dont la première pierre a été posée en 1163 par l'évêque de Paris, qui à l'époque était le pape Alexandre III, Maurice de Sully, et donc épousé par Maurice de Sully, l'évêque de Paris, car Paris à l'époque n'était pas un archevêché, l'archevêché était à Sens, et le pape de l'époque, Alexandre III, ont posé la première pierre, et depuis 1163, Notre-Dame est en réalité un chantier permanent qui n'a cessé d'être entretenu, d'évoluer. À peine avait-on construit le chœur qu'on abattait déjà la voûte pour la refaire et refaisait les baies. Au XIVe siècle, on ajoute les chapelles latérales, etc. Je dis ça parce que dans le débat actuel sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, il y a un courant fort chez les gens les grands et absolument respectables et admirables docteurs de la rue de Valois, la rue de Valois c'est le ministère de la Culture en France, qui souhaitent reconstruire en réalité la cathédrale de Viollet-le-Duc. Je les appelle les Viollet-Ducistes de stricte observance et ils ne supportent pas la simple idée qu'on puisse déplacer dans la cathédrale un confessionnal voulu par Viollet-le-Duc à tel ou tel emplacement. Ça fait partie de ma vie quotidienne. Donc cette cathédrale a constamment évolué, et elle a évolué aussi au gré de ses chanoines, de ses évêques et archevêques, pour s'adapter à la liturgie. Monseigneur, vous nous expliqueriez qu'aujourd'hui, on ne célèbre pas la messe comme on l'a célébrée au Moyen-Âge, et que le corps des chanoines n'a plus aujourd'hui dans nos cathédrales le pouvoir et l'influence qu'ils avaient
au XIIe, au XIIIe, au XIVe siècle. Donc tout ceci doit s'évoluer et il faut regarder ça avec optimisme, en s'appuyant sur ce qui a été fait, mais en l'éclairant. Donc cette cathédrale a une histoire riche. Toute l'histoire de France, finalement, trouve son écho à Notre-Dame de Paris. Certes, nos rois étaient sacrés à Reims, mais dès qu'ils revenaient de Reims, ils allaient directement à Notre-Dame de Paris avant de retrouver leur palais. Les rois étaient enterrés à Saint-Denis, mais quand ils partaient à Saint-Denis, ils s'arrêtaient d'abord à Notre-Dame de Paris. Chaque victoire de la monarchie était célébrée par un Te Deum à Notre-Dame de Paris. 150 Te Deum ont été célébrés par des victoires de Notre-Dame de Paris. C'est vous dire à quel point cette cathédrale est au centre de notre histoire. Un roi anglais, Henri V, a été sacré à Notre-Dame de Paris pendant la guerre de 100 ans. Pas que les Anglais sont venus à Paris avant que Jeanne d'Arc ne les boute hors de France. Les premiers états généraux français sous Philippe le Bel, 1305, ont été célébrés à Notre-Dame de Paris. C'est vous dire à quel point cette cathédrale est au cœur de l'histoire de France, même si les gens n'en avaient pas une telle conscience. C'est un peu tout ça qu'on a redécouvert. Et c'est Napoléon, d'abord, qui, en se faisant sacré empereur après les tumultes de la Révolution, qui ont voulu pas mal de saccages à Notre-Dame, mais finalement assez quand même maîtrisé, se fait sacré empereur à Notre-Dame et rouvre Notre-Dame au culte catholique et redonne à Notre-Dame cette place centrale dans l'histoire de notre pays. Et depuis, il n'y a pas de grands événements de notre histoire qui n'aient été célébrés à Notre-Dame de Paris. Sacre de Napoléon, baptême du prince impérial, c'est des grands moments où il y a eu des décors très, très importants du prince impérial. Je pense aux fils de Napoléon III qui ont été extrêmement importants à cette époque. Je n'oublie pas le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a beaucoup contribué à remettre dans l'esprit des Français cette cathédrale et cette œuvre gigantesque. Te Deum des victoires, après la victoire de 1918 et le Te Deum en 2019, avec ses particularités cher à l'histoire de France, puisque compte tenu de la séparation de l'Église et de l'État, le président de la République n'a pas assisté à ce Te Deum. C'est quand même assez extraordinaire, et c'est son épouse qui l'a représenté, puisque le Conseil des ministres lui a interdit de venir, alors que vous connaissez l'expression « les curés sac au dos », et que vous savez, Monseigneur, à quel point le clergé a pris sa part dans la victoire de 14-18. Un épisode peu connu, le 16 juin 1940, alors que les armées françaises sont enfoncées par les Allemands, le gouvernement Paul Reynaud, avec Paul Daladier, entouré de nombreux maçons, à l'époque violemment anticatholiques, va défiler, processionner derrière les reliques de Sainte Geneviève pour implorer le Seigneur de donner la paix à la France. On avait fait la même chose en 1914, ça avait marché au moment de la Marne, là ça n'a pas marché. Donc mais c'est un petit passage de l'histoire de France qui est assez peu connu. Le général de Gaulle, lorsqu'il revient le 25 août 1944, il va où ? Il descend de l'Arc de Triomphe, et il va à Notre-Dame de Paris pour un Magnificat. Et puis, plus près de nous, les messes à l'occasion des enterrements du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Georges Pompidou, les messes d'enterrement sont dites ailleurs, mais sont célébrées à Notre-Dame en présence de tous les grands chefs d'État de la planète, et sans doute de vous-même ou votre père, Monseigneur. Et puis plus près de nous, après les attentats du Bataclan en 2015, François Hollande vient présider une prière publique dans Notre-Dame de Paris
avec Mgr 23, l'archevêque, et il remonte l'allée de Notre-Dame au son de la Marseillaise. Ceci pour dire que Notre-Dame est au cœur de l'histoire de France. Et c'est pour ça que nous nous devons de restaurer cette cathédrale dans des délais raisonnables, en hommage aux racines chrétiennes de notre pays et en hommage à l'histoire de notre pays. C'est ce que nous faisons. L'incendie de cette cathédrale, en réalité, je le disais tout à l'heure, a créé des dégâts à la fois spectaculaires, mais maîtrisés. Spectaculaires parce que cet incendie qui se déclare à l'occasion d'un chantier, il ne faut pas l'oublier, il y avait un chantier en cours à la flèche de Notre-Dame, va détruire l'ensemble de ce qu'on appelle la forêt, c'est-à-dire cet extraordinaire ensemble de fermes, de poutres, sur la nef, le cœur et les deux bras du transept, donc ça fait un feu gigantesque, va emporter la flèche. Tout le monde se souvient d'avoir vu l'aiguille de la flèche tomber, puis la flèche avec des A, des O, etc. Les voûtes, dont je rappelle que les voûtes ont été inventées au Moyen-Âge pour être des pare-feux, jouent parfaitement leur rôle, sauf sur le transept, qu'avec le poids de la flèche, la voûte du transept s'effondre et ça va être le cœur du drame. Et dans la reconstruction actuelle, le chemin le plus difficile, ce que nous appelons le chemin critique, c'est la reconstruction de la flèche et de la voûte de la croisée du transept. Quand nous aurons fermé la voûte du transept, nous aurons gagné la bataille de la reconstruction, et c'est ce qui est bien en cours actuellement. Donc des dégâts assez maîtrisés. Alors il y a eu beaucoup de storytelling par des héros, il y a toujours des héros du lendemain qui nous expliquent qu'ils ont, au péril de leur vie, sauvé beaucoup de choses. En réalité, la flèche s'effondre, la voûte s'effondre, mais alors, selon tel ou tel, il y a de l'ordre de 1400 à 1500 œuvres d'art à l'intérieur de la cathédrale, à l'exception de l'hôtel de Touré qui était sous la flèche et de Lambon et de la cathèdre, aucune œuvre d'art n'a été détruite à Notre-Dame. Aucune. Aucun vitrail n'a été égratigné. Nous avons démonté les vitraux. Pourquoi ? Pour les nettoyer. Ils n'avaient pas été nettoyés depuis qu'ils avaient été mis en place. J'y reviendrai tout à l'heure. Et pour pouvoir installer les échafaudages. Mais aucun n'a été détruit ni égratigné. Il y avait à l'intérieur de la cathédrale 22 tableaux grand format, aucun n'a été léché par les flammes. La couronne d'épines, qui était dans l'axe de la cathédrale, c'était une copie, n'a pas du tout été inquiétée par les flammes, et ainsi de suite. En revanche, il y avait 400 tonnes de plomb sur la couverture du grand comble, et c'est ce plomb en fusion, cette poussière de plomb qui s'est répartie partout, et qui nous oblige toujours à un nettoyage très approfondi pour rendre cette cathédrale saine, s'agissant précisément de la présence de plomb. Le grand orgue de la cathédrale, le plus grand orgue d'Europe, 8000 tuyaux, 115 jeux, nous l'avons complètement démonté, non pas parce qu'il avait été inquiété par les feux, il n'avait même pas reçu de l'eau des pompiers, mais pour pouvoir le nettoyer avec des écouvillons, tel un canon d'un fantassin, et nous le remonterons pour, une fois qu'il aura été nettoyé. Je dis ça pour donner une claire vision. À l'inverse, il fallait s'assurer que l'édifice était parfaitement apte avec ses piliers, avec ses murs, avec ses arboutants, avec sa voûte. Il fallait être sûr que nous pouvions être certains de reconstruire cette cathédrale sur ces bases-là. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a duré jusqu'à à peu près la fin de l'été 2021. Voilà, je voulais faire un peu ce panorama pour dire un peu comment les choses se sont présentées. J'ai indiqué tout à l'heure que dans la feuille de route que j'ai reçue du président de la République, il y avait, outre mon titre de représentant spécial, qui est un titre
capital pour l'autorité que ça me donne sur le chantier vis-à-vis d'un certain nombre de personnages, il y avait le délai de 5 ans. Ce délai de 5 ans, qui est paru absurde à beaucoup de gens, ridicule, je l'ai dit tout à l'heure, comment on doit mouiller, etc., est probablement le plus puissant outil que j'ai eu dans mes mains pour convaincre tous les gens que j'ai, j'allais dire sous mes ordres, que j'ai avec moi pour reconstruire cette cathédrale, et leur dire que nous n'étions pas là pour nous amuser ou traîner, mais que nous devions travailler pour rendre cela possible. Et c'est, je crois, ce que nous sommes en train de gagner. Et si je revendique une chose de manière assez ferme et claire, c'est celui d'avoir réussi à convaincre tous les acteurs que ce délai était raisonnable, atteignable et que nous l'atteindrons. J'ai souvent dit, si vous m'avez entendu ici ou là, il y va de la réputation de la France. Vos voisins, les Italiens, à Gênes, avaient dit « Nous allons reconstruire le pont de Gênes en 2 ans ». Tout le monde a rigolé. 2 ans après, les voitures franchissaient sur le nouveau pont, sur le nouveau pont de Gênes. Je ne sais même pas ce que ça franchissait. C'est la ville, d'ailleurs, je crois. La ville, voilà. Donc, ça fonctionne. Et moi, je dis, la France a dit qu'elle le ferait en 5 ans. Nous le ferons en 5 ans. Il y va de la réputation de la France et de l'honneur de la France. J'indique au passage d'ailleurs que ce délai de 5 ans, ni dans l'esprit du président de la République, ni dans le mien évidemment, n'était en lien avec les Jeux Olympiques, qui auront lieu effectivement à l'été 2024. Mais ce qui est sûr, c'est que la France a rendez-vous avec le monde en 2024 sur 2 événements majeurs, les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux Olympiques, Dieu merci, c'est pas moi qui m'en occupe, et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le troisième gros avantage que j'ai pour m'aider, alors j'indique d'ailleurs, pour dire comment les choses se passent, un beau jour j'ai réuni tous mes gens, j'ai dit si une seule personne parmi vous pense que ce n'est pas possible en 5 ans, qu'elle quitte immédiatement la salle et je ne veux plus la voir ici. Il faut parfois avoir des méthodes autoritaires pour obtenir les résultats que l'on souhaite. Mais ceci dans le respect, évidemment, des règles. Car je rassure les gens qui sont ici, je n'ai obtenu aucune dérogation, je respecte scrupuleusement le code du travail, le code de la du marché public et le code des monuments nationaux. J'ai sur mon chantier des entreprises qui travaillent sur beaucoup de monuments publics. Il y a en France 48 000 monuments nationaux, monuments historiques. Je ne suis qu'un des 48 000. Et les entreprises qui travaillent me disent, mon général, l'inspection du travail, nous la voyons 1 ou 2 fois par an. À Notre-Dame, c'est 2 fois par semaine. Au nom... Ouais, vous rigolez, mais moi, je rigole pas tous les jours. Au nom de ce chantier doit être exemplaire, ce qu'il est, évidemment. Voilà, donc, deuxième affaire. Troisième gros avantage dans ce chantier est financé, ce qui n'existe pas dans les monuments historiques. Ce chantier est financé par une souscription nationale, internationale, les monégasques qui ont donné participer à ce chantier, et nous avons levé 846 millions d'euros. C'est le record absolu de la philanthropie en France et en Europe. Jamais on n'a obtenu un résultat pareil. Pour rendre hommage à une personne, tu sais, dans la vie, il y a toujours des petits détails, des gens audacieux quoi, qui prennent une bonne décision au bon moment contre l'avis des docteurs. Je pense au docteur, je pense au sommité de l'université, monsieur le professeur, bien sûr, vous aviez compris, bien sûr. À 11h du soir, François Pinault, si je puis dire, ouvre le bal et donne 100 millions d'euros. Je suis convaincu que s'il n'avait pas agi ainsi à 11h du soir, nous ne serions jamais arrivés à récolter l'argent. Dans l'heure qui suit, son petit camarade Bernard Arnault a dit « Moi, je donne 200 millions d'euros ».
Rigoler, rigoler, mais c'est pour ça qu'on va gagner. Le lendemain matin, Madame Bettencourt-Meyers dit « Moi, je vais donner 200 millions d'euros. 100 millions la famille, 50 millions le groupe L'Oréal, 50 millions la fondation Tétis. Nous sommes déjà 100, plus de 100, plus de 100, 500 millions d'euros. » Peu de temps après, M. Pouyanné, PDG de Total, dit « Je donne 100 millions d'euros, 600 millions d'euros. » Voilà. Donc, le processus est enclenché et je vois se lever cet immense espoir de la réouverture de la cathédrale. Alors, évidemment, cet argent ne me vient pas chez moi directement. Ça serait trop simple. Nous sommes en France. L'argent est levé par des fondations. La Fondation du patrimoine, dont le très vocal président parle tellement qu'on a l'impression que tout l'argent est venu chez lui. En réalité, il n'a que 25%. La Fondation Notre-Dame, qui a récolté 50% en gros de cette souscription. La Fondation de France, 8%, à peu près, de cet ordre-là. Le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, 3 ou 4%, et puis des dons directs à l'établissement public. Tout cet argent va au ministère des Finances, bien sûr, est transformé en fonds de concours qui va au ministère, qui sont versés au ministère de la Culture rue de Valois et qui ensuite nous est donné sans qu'un comité d'audit et un comité financier n'aient évalué tout ça. J'en profite pour dire que nous sommes l'établissement public le plus contrôlé de l'histoire de la République. J'ai 16 organismes de contrôle différents. Je ne peux rien bouger sans avoir 50 petits docteurs, cette fois-ci, gna gna gna, pour qui, pourquoi. Voilà. Ceci dit, ça se passe très bien parce que c'est là où il faut quand même des gens qui ont un peu de métier. Et puis j'utilise bien d'ailleurs ce truc pour ceux qui suivent le chantier ont vu que l'an dernier, ou cet été, il y a eu un rapport de la Cour des comptes extrêmement élogieux, ce qui est rare, sur la rigueur de la manière dont la rigueur avec laquelle ce chantier est conduit, et qu'il y a eu cette phrase extraordinaire qui pour moi était du lait, de miel, etc. Les conditions sont bien réunies pour une réouverture en 2024. C'était pour moi, dans un combat quotidien, vraiment un baume extrêmement appréciable. Je suis surveillé par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, ce qui est normal. C'est là où j'avais expliqué à un moment donné, vous l'avez sans doute entendu certains d'entre vous, à l'intention de mon architecte, il ferme sa gueule parce qu'il me serinait avec des histoires de la flèche. Je suis auditionné par la commission du Sénat, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, à l'intérieur de sa commission, a créé une mission spéciale Notre-Dame. J'ai une mission spéciale, il se réunit depuis 3 ans, ça prouve que ça ne servait pas à grand-chose, qui réunit le président de la Cour des comptes, le président des finances de l'Assemblée et du Sénat. Ça fait 3 ans que je n'en entends plus parler. J'ai un conseil historique, des gens extrêmement capés, issus évidemment de l'université et d'ailleurs, qui sont là pour valider soi-disant les choix. Donc c'est autant d'occasions de parade. J'ai bien sûr un conseil d'administration, ce qui est normal. J'ai un comité des donateurs pour informer les donateurs de ce que nous faisons, et ça c'est normal. Tout ça se passe bien. Mais ce qu'il peut vous dire, et on a limité mes effectifs à 40 personnes. Il y a au ministère de la Culture 88 établissements publics. Ils sont tous près de 1000 personnes. Nous, nous sommes 40 pour le chantier dit du siècle. Expression que moi, je n'ai jamais reprise à mon compte. Ça vous montre à quel point nous sommes des soldats de Dieu, mon Seigneur, et que nous travaillons sans nous plaindre, malgré ces injustices, et peut-être grâce à ça, nous avançons. Bref, ce chantier est financé. Alors, 846 millions d'euros, comment nous les avons employés?
Le chantier se déroule en trois phases. Première phase, je l'ai évoqué tout à l'heure, sécurisation, consolidation. Avril 2019, été 2020, fin de l'été 2021, 150 millions d'euros. Je vous rappelle que le budget des monuments, des 48 000 monuments historiques français, c'est 360 millions d'euros. Le chantier, pour vous donner des ordres de grandeur, pour le dire, le gigantesque pari financier de cette reconstruction, le chantier en cours sur la flèche de Notre-Dame au moment de l'incendie, c'était 25 millions d'euros sur 5 ans. Là, 150 millions d'euros simplement pour la sécurisation, consolidation. La reconstruction elle-même, fin de l'été 2021, fin 2024, 550 millions d'euros. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous rouvrirons la cathédrale, c'est-à-dire nous la rendrons à l'archevêque pour le culte, mais tout ne sera pas fini, il y aura encore des travaux à l'extérieur, sur les élévations sud, je crois l'avoir dit tout à l'heure, etc. Mais l'archevêque et le recteur de la cathédrale retrouveront l'usage normal de la cathédrale et débuteront les travaux des abords, qui sont de la responsabilité de la ville de Paris, c'est-à-dire de Madame Hidalgo, et qui, par un concours international, a confié ça à une équipe belge, qui va, selon l'air de l'époque, végétaliser tout ça, sortir, etc. Ça va être absolument parfait. Ce qui n'empêche pas, évidemment, des polémiques, car sans polémique, la vie manque de sel, évidemment. Restera donc cette phase 3 au cours de laquelle nous achèverons les extérieurs mais pas les abords. Parmi les travaux que nous ferons, il y aura la restauration de la tour sud, la restauration des élévations sud, et nous remplacerons 10 arcs-boutants dont l'architecte m'a dit qu'il était nécessaire de les remplacer. Ces 10 arcs-boutants, il faut le savoir, la cathédrale, c'est 28 arcs-boutants qui avaient été changés par Viollet-le-Duc. Depuis Viollet-le-Duc, on a déjà changé, qui le sait, les 28 arcs-boutants, une fois, et là, on en changera une dizaine. Voilà. Ceci nous amènera vers 2027-2028, et ce sera les 146 millions d'euros restants, si vous faites les calculs, la somme des deux que j'ai donnée tout à l'heure, qui seront utilisés pour cette restauration. Donc, un chantier financé, c'est extrêmement important pour aller de l'avant. Un chantier complexe, je l'ai dit, avec des caractéristiques assez fortes. D'abord, c'est un chantier plomb. J'ai dit tout à l'heure, 400 tonnes de plomb, c'est une porte ouverte à l'inspection du travail. Des conditions drastiques pour y accéder, ce qui fait que je refuse à peu près 95% des demandes de visite. Et toutes les autorités qui viennent, y compris le président de la République, quand ils viennent à Notre-Dame, s'habillent comme s'ils allaient à Pierre-Latte ou sur la Lune, et quand ils sortent, prennent une douche. Sa Majesté le roi Charles III devait venir. Monsieur Lebeau, présent là-bas, a reçu son advance party quand on a expliqué qu'il fallait prendre une douche, etc. Il a décliné l'invitation. Le premier ministre japonais, pareil, la princesse, etc. Le monde entier veut venir à Notre-Dame. Nous avons à travailler. Donc, il faut se plier à ces règles drastiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement intelligentes et utiles. Mais il y a un code du travail, je me dois de le respecter pour mieux peut-être le changer. Et j'espère que dans la legacy de ce chantier, on reviendra sur des normes qui sont, à mon avis, tout à fait excessives sur un chantier de ce genre. Voilà. Autre affaire du plomb, nous allons reconstruire la cathédrale à l'identique, à l'extérieur. Je suis frappé de voir que ce point est passé parfois inaperçu. Dans le système français, tout monument historique, tout chantier de monument historique doit être soumis à une commission spéciale qui s'appelle la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, présidée par un parlementaire. Actuellement, l'excellent sénateur Éric de Montgolfier, propriétaire de l'abbaye de Fontenay, propriétaire d'un château qui restaure, etc., donc un homme de l'art, qui a une fortune suffisante pour en voir les choses avec sérénité,
Et il est entouré d'un collège, une soixantaine de gens, et on présente, et ces gens-là dissèquent, 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 et donnent un avis. Pour votre culture, sous François Mitterrand, vous serez heureux d'apprendre que cette commission avait donné un avis négatif pour la pyramide du Louvre et les colonnes de Buren. Et vous voyez que ça, c'est le génie français, si vous voulez. Commission, commission, mais au total, voilà. Donc, nous avons présenté à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, avec Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, un projet de reconstruction à l'identique pour les parties extérieures, conformément à... Donc ça, c'est le 8 juillet 2020. 2020, oui. Ce qui veut dire que depuis le 8 juillet 2020, la décision a été prise de refaire la flèche de Viollet-le-Duc, de refaire le grand comble en plomb, et ainsi de suite. Il y a encore des gens qui me disent « Alors, la flèche, qu'est-ce que vous allez faire ?» Vous vous souvenez que le président de la République, le chef de la nation, avait souhaité qu'on puisse faire un geste de modernité sur la flèche. Ça a été un de mes grands combats, qui a duré donc jusqu'au 8 juillet 2020, pour expliquer que peut-être on pourrait envisager d'eux, que ce serait mieux d'eux, etc. Et finalement, reconstruire cette flèche à l'identique, c'est-à-dire en chêne et en bois, en plomb. Voilà. Alors qu'il y avait donc eu ce souhait d'avoir un geste identique. J'ai dit au président, monsieur le président, on peut imaginer un geste à l'identique à l'extérieur, la pyramide du Louvre est à l'extérieur, on peut à l'intérieur, ce qui va se passer, ce sera présenté par l'archevêque de Paris à la CNPA le 13 juillet prochain, c'est un scoop, il présentera le mobilier qu'il veut dans la cathédrale, mobilier moderne, et qu'il finance, car avec la loi de 1905, c'est à l'Église et au diocèse de financer le mobilier liturgique et non pas à l'État, donc en dehors des 846 millions d'euros. Donc nous sommes partis là-dessus. Nous allons remettre du plomb sur la flèche et sur le toit, sur la couverture du grand comble, mais nous allons innover. Je suis responsable du chantier, mais évidemment, comme nous sommes l'enfant, ce n'est pas moi qui signe les autorisations de travaux. Monsieur le préfet, ministre d'État actuellement, vous savez que c'est le préfet qui signe les autorisations de travaux. Et pour que le préfet d'Île-de-France signe l'autorisation de travaux qui a consisté à remettre du plomb sur le toit de la cathédrale, il a fallu montrer patte blanche, car il est en plus ancien et il est en plus conseiller d'État. Donc ça a été un combat intéressant et nous allons là aussi innover. Pour vous donner un ordre d'idée, là aussi ça sera un héritage de ce chantier. Nous allons mettre la couverture du grand comble toit avec du plomb, mais nous allons récupérer toutes les eaux de pluie. Vous vous rendez compte? Il y a 118 gargouilles de Viollet-le-Duc. Nous allons récupérer les eaux de pluie en bas. Et nous allons les traiter avant de les remettre dans la Seine. Vous vous rendez compte? Alors ensuite, j'ai posé la question, mais combien de plomb va-t-on récupérer? Et là, avec tous ces docteurs, on a des chiffres qui vont de 1 à 100. Bon, maintenant, on a resserré un peu la fourchette, et c'est à peu près de l'ordre de 2, me dit-on, mais est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, de 2 batteries de voitures électriques qu'on jetterait dans la Seine. Peu importe. Autrement dit, dans tous les monuments français, désormais, bonjour les coûts, on fera ce type de dispositif. Il faut savoir qu'on a refait le toit du Panthéon à Paris il y a 3 ans en plomb sans que ça n'émeuve personne. On a décidé récemment de refaire le toit de l'Opéra en plomb, ça n'émeuve personne, et ainsi de suite. Notre-Dame, lui, elle, c'est tout de suite plus compliqué. Donc nous innovons pour le bien de l'humanité naturellement. Deuxième grand problème que nous avons eu à résoudre, celui du bois, des chênes. Pour reconstruire, alors évidemment, on nous a expliqué, il faut être, si vous me permettez, ce langage de popote, il faut être complètement con de reconstruire une charpente en bois,
alors qu'il y a eu un incendie. Ben, figurez-vous que nous aussi, on y a pensé. Donc nous allons reconstruire en bois, mais avec des dispositifs nouveaux, caméras thermiques, fermes coupe-feu, systèmes de brumisation automatique, et ainsi de suite, qui vont garantir qu'il y a eu un incendie en 850 ans, on peut penser que maintenant, il y aura un incendie en 1600 ans, si vous voulez. Donc, on pourra reconstruire en bois. Mais il a fallu trouver les chênes. Il nous a fallu 2300 chênes. Je crois qu'ici, il y a des gens qui ont donné des chênes de leur propriété. La moitié des chênes proviennent du domaine public, la moitié des chênes proviennent des propriétés privées. Beaucoup proviennent des forêts de Bercé, de Bellem, aux confins de l'Orne et de la Sarthe, ou de la forêt de Troncé, 2300 chênes, qu'il a fallu évidemment rendre aptes à l'utilisation sur la cathédrale. Là, je suis tombé sur les discours sur le bois vert et le bois sec. J'arrive, je pose des questions, évidemment, je suis réputé ignare. À défaut d'être compétent, on m'explique. Mon général, il faut 70 ans pour que les chênes sèchent. Donc, autrement dit, attendez 70 ans. 15 jours après, la même personne me dit non, vous avez mal compris, c'est 2 ans, en réalité. Bon, bref, en réalité, toutes les études qu'on fait montrent que la chose est beaucoup plus pragmatique que cela. Et on a fait avec la dendrochronologie, on a fait des études très poussées sur les bois utilisés par, notamment Vieux-le-Duc. On s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, on coupait les arbres et on construisait. Mais ça a été mon plus gros souci sur ce chantier, c'est de convaincre tout le monde que l'on pouvait utiliser les bois que nous ayons dans des conditions de sécurité et de stabilité suffisantes pour reconstruire la flèche. On a fait 1350 expériences avec des laboratoires spécialisés pour vérifier que les assemblages entre le plomb, le bois, etc., sur cette flèche. Il faut voir que la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les voûtes sont à 30 mètres, la flèche est à 96 mètres. Autrement dit, elle s'élève 66 mètres au-dessus de la voûte. Chemin critique. Donc il faut que tout ça tienne. Et en plus, elle est soumise au vent. Donc c'est un travail extrêmement colossal qui nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de patience. Alors là, on a vu arriver les assurances, les avocats, etc., etc. Un vrai régal, c'est vraiment le sujet le plus difficile que j'ai eu à encaisser sur ce chantier. Bref, nous avons triomphé Nous avons trouvé des accords et nous sommes donc maintenant partis pour bien être en phase avec notre programmation pour ouvrir en 2024. Troisième sujet aussi. Je reviens sur les bois aussi, il a fallu qu'on trouve des chênes. On a rejeté des chênes parce que les chênes, quand on les ouvre, des fois, ils sont pourris. Donc il a fallu 230 de plus. La directrice de l'ONF m'a dit, mon général, vous n'y pensez pas, mes gens ne vous donneront pas 230 chênes. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, ils ont besoin de leurs chênes pour faire les fûts pour le vin. Nous sommes quand même en France. Et je dis qu'à cela ne tienne, je vais aller les haranguer pour qu'on leur explique que l'honneur de la France aujourd'hui, ça passe par la restauration de Notre-Dame, 0,01% de la production de chênes français en un an, contrairement à ce qu'on raconte parfois. Donc on n'était pas en train de mettre à péril les fûts pour... Bref, j'ai enregistré une vidéo qui a été diffusée à l'ensemble des forestiers et forestières de l'ONF, forestier debout, la France vous regarde et a besoin de vous, donnez-moi des chênes, et en 15 jours, j'ai récupéré mes 230 chênes. Ceci pour vous dire comment il faut que la mayonnaise prenne, si vous voulez, dans cette affaire. Et alors, je suis allé moi-même avec la dernière équipe de forestiers dans la forêt de Bellem, chercher les derniers chênes, et j'ai moi-même scié le dernier chêne qui s'est abattu, mais comme je l'ai fait sans casque, la directrice de l'ONF a enlevé la vidéo parce que je contrevenais aux règles du principe de précaution. Je vous dis ça parce que c'est tous ces petits combats qui nous permettent d'être au rendez-vous. Je vois que le Quai d'Orsay rigole, mais c'est un vrai combat.
Donc voilà pour la reconstruction. Autre sujet important, les pierres. Il faut 3000 mètres cubes de pierres à Notre-Dame, c'est énorme. Les pierres, c'est essentiellement les murs d'arras tout autour de la cathédrale, 300 mètres linéaires essentiellement. Les voûtes du transept, les arcs du transept et deux ou trois voûtins de la nef et un ou deux voûtins du chœur. Voilà. Nous avons à ce stade déjà rebouché toutes les voûtes de la cathédrale, sauf celle du transept, puisqu'il faut d'abord que l'échafaudage de la flèche passe dedans. Échafaudage qui pèse 250 tonnes, heureusement que M. Lebeau me rappelle à la raison, 100 tonnes, pardon, et qui monte à 100 mètres de haut. 600 comment 600. 600 tonnes, vous voyez. Voilà. 600 tonnes, ce qui est colossal. 100 mètres de haut, c'est au pied de cet échafaudage, sur le sol du transept, que nous avons eu cet épisode extraordinaire. Je ne sais pas si je suis... Monseigneur, je crois que... Comment ? Bon, vous m'arrêtez quand stop. C'est là-dessus qu'on a eu l'épisode succulent des... Pardon, l'épisode très important des fouilles. Car dans les travaux des monuments historiques, on doit faire des fouilles d'archéologie préventive. Donc on m'a dit, mon général, il faut fouiller le transept. Et en fouillant le transept, on a trouvé deux sarcophages, dont celui du chanoine de la Porte, un chanoine très important qui a son tableau au Louvre, et un échafaudage d'un couidam, d'une espèce de chanoine dont on ne sait pas qui est-ce. Il faut savoir que sous le sol de Notre-Dame, 600 personnes ont été enterrées. Viollet-le-Duc lui-même avait trouvé 8 sarcophages qui ont été réenterrés dans des chapelles à la cathédrale, et on a surtout retrouvé des morceaux du jubé du XIVe qui avaient été détruits sans aucune précaution à l'époque du cardinal de Lorraine et de Viollet-le-Duc. Tout le monde se moquait comme de l'an 40 du patrimoine, on entassait tout ça et on passait à autre chose. Là, on a retrouvé donc, la ministre de la Culture en grand équipage, devant toutes les caméras de France, de Navarre et d'Europe, est allé saluer cette découverte majeure de l'art médiéval depuis 100 ans, a-t-on dit. Moi, j'ai simplement expliqué, attendez, moi, je suis là pour ouvrir cette cathédrale, donc on ne va pas fouiller pendant 6 ans, pour trouver, 6 mois, pardon, pour trouver, etc. Si vous voulez, on peut raser la cathédrale, et comme ça, on pourra bien fouiller. C'est avec des phases comme ça qu'on gagne la bataille. Bref, je leur ai donné un mois de plus, et j'ai provisoirement gagné cette bataille qui va réapparaître lorsque l'on aura démonté. Pour vous dire, vous voyez, ces gens-là sont des gens remarquables, bien sûr, parce qu'ils sont très capés, mais on n'a pas du tout les mêmes références. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rouvrir au culte, ou est-ce qu'on doit faire un laboratoire permanent de l'art et des pierres ? En tout cas, la ministre en grand équipage des déclarations grandioses, c'est une découverte majeure, etc. Je rappelle que Viollet-le-Duc avait trouvé déjà des restes qui sont au Louvre, donc ce n'était pas une nouveauté absolue. Voilà. Donc j'étais parti sur la saga des pierres, il a fallu donc trouver 3000 mètres cubes de pierres, nous avons retrouvé grâce au BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, les pierres d'origine de cette cathédrale. Vous savez, je l'ai appris depuis, que les pierres sont des êtres vivants, que si elles ne sont pas de même constitution physico-chimique, elles se détruisent. C'est ce qui a été fait au Louvre, d'ailleurs, dans la restauration des années 80. Donc on a trouvé le chantier qu'il fallait, à la croix Huard, et nous avons ces pierres que nous taillons que nous dégrossissons sur la place. C'est un chantier qui est aux confins de l'Aisne et de l'Orne, et nous les amenons à Gennevilliers, nous les retaillons aux dimensions de la cathédrale, et par péniche, car nous sommes les rois de l'écologie, nous les amenons sur l'île de la Cité. Donc c'est un chantier, vous voyez, il faut le coordonner pour que ça marche. Ceci pour dire qu'au total, si vous me posiez la question, combien de gens travaillent sur Notre-Dame ? Aujourd'hui, on peut dire que quotidiennement, 1000 personnes
y compris moi, travaillent sur le chantier de Notre-Dame, en France, dont 500 à l'île de la Cité. Voilà. 500 compagnons. Parmi les grands bonheurs de cette expérience, comme on dit maintenant, c'est l'enthousiasme, la fierté de tous ces compagnons qui travaillent sur le chantier, fiers comme tout de participer à cette entreprise. Vous savez que ça réconforte par rapport à toutes les difficultés que l'on rencontre. Mais c'est toute la France qui travaille. Nous avons 45 scieries un peu partout. Nous avons 8 vitraillers, plus à Cologne, des gens qui ont nettoyé les vitraux. Nous avons 3 facteurs d'orgue, Hérault, Vaucluse, Corrèze, qui ont restauré l'orgue, grand orgue de la cathédrale. Nous avons des ferronniers, des menuisiers absolument partout en France. Et tout ça se retrouve et s'emboîte pour restaurer. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, au moment où je vous parle? Je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure. Tout ce travail que nous avons fait commence à éclore et on voit, pour nous, à l'intérieur de la cathédrale, des avancées qui sont assez spectaculaires. C'est d'ailleurs un de mes soucis que mes architectes, mes ouvriers, mes compagnons, etc., ne disent pas « ça y est, c'est gagné ». Pas du tout, mais nous arrivons. Par exemple, nous avons débarrassé les transepts de la cathédrale des échafaudages. Et nous avons retrouvé, si M. Lebeau est agile, il va peut-être nous trouver quelques photos. Donc, ça va être compliqué, il vaut mieux pas essayer. Nous avons retrouvé la blancheur d'origine des transepts. C'est les transepts, là? Ah oui, ben là, vous voyez. Vous voyez l'avant-l'après des voûtes, telles que nous le sommes. Allez-y, va. Ça sera plus intéressant. Regardez la crasse de cette cathédrale. Regardez, vous voyez, le nettoyage des peintures, le noir que vous voyez là. Il faut le dire à tous ces docteurs, ce n'est pas l'incendie du tout. C'est la manière dont on avait laissé cette cathédrale se dégrader. Et les couleurs qu'on retrouve, c'est uniquement par lavage. Coton, eau, etc. Continuez, monsieur Lebeau, vos photos ont du succès. Bon, les peintures passées. Regardez les voûtes avant-après, ce que vous reverrez quand vous reviendrez dans la cathédrale. Et tout ça, on le fait. Regardez les clés de voûte que personne ne voit, qui sont des chefs-d'œuvre, qu'on redécouvre, qui étaient sous la crasse. Avancez, monsieur Lebeau. Regardez les transepts terminés. Vous voyez, on a terminé les 2 transepts. À la fin de l'année, à la fin de l'été, on aura terminé la nef complète. Et ce n'est pas fini. Regardez, les voûtes du cœur, avant, après. Tout ça, c'est le dernier état du chantier. Continuez, monsieur. Avancez. Ah, regardez la voûte, ça c'est une voûte du transept. La voûte du transept qui s'est effondrée sous le poids de la flèche, qui a été complètement restaurée. Selon les lois de la stéréotomie, et ça a été un vrai bonheur d'aller mettre la dernière pierre. Voilà, ça c'est une voûte, ça c'est les voûtes de la nef. Et la pierre que vous voyez là, c'est la dernière pierre de ce voûtin, et ça a été pour moi une grande émotion d'aller remettre cette dernière pierre qui scellait la fin de la restauration de ce voûtin. Nous avons des moments, et vous savez, il y a des moments où on pleure sur ce chantier. Parce qu'on voit tout ce qu'il a fallu faire. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il faut pour ça. Les travaux des architectes, les avis des commissions, l'argent à demander à 50 comités, etc. Tailler, aller chercher les pierres à la Croix-Huart, les amener à Gennevilliers, les faire venir par la Seine, les placer, etc. C'est considérable, mais ce n'est pas fini. Continuez. Ça, c'est le pignon ouest, hein, sud, qui ont le plus souffert de l'incendie. On ne voit pas très bien. C'est là où il nous faut nos 8 mm carrés de pierre. Regardez la beauté de ces vitraux restaurés.
Regardez la beauté des élévations. Jamais on n'a vu à Notre-Dame de Paris les vitraux dans cet état. Je fais un petit, et vous comprendrez pourquoi bientôt, un petit commentaire sur les vitraux. Notre-Dame de Paris, c'est 2 500 m² de vitraux. Ce n'est pas la cathédrale la plus éclairée, la plus grande surface de vitraux. Le professeur Keppel vous l'expliquerait mieux que moi. C'est la cathédrale de Metz, qui est la lanterne de Dieu, comme on l'appelle. Là-dessus, contrairement à ce qu'on raconte chez des benêts qui annonnent ce qu'ils ont lu, dit par des gens mal intentionnés, vous avez seulement les 85% des vitraux de Notre-Dame de Paris sont des vitraux du 19e siècle. Ils ne datent pas du 14e, du 13e, etc. Et 8% sont, on les verra peut-être tout à l'heure, des vitraux du 20e siècle. Qui parmi vous sait que ceux qui savent lèvent le doigt qu'il y a à Notre-Dame de Paris des vitraux installés en 61, 62, 63. Vous vous souvenez de la polémique lancée par des fuites mal intentionnées il y a 3 ans sur l'idée de remettre des vitraux dans les chapelles de la cathédrale, avec un arrêt spectaculaire et théâtral de la ministre de l'époque. En réalité, il y avait déjà Notre-Dame de Paris 8%, c'est ce que j'ai dit, de vitraux modernes de Le Chevalier. Voilà. Et le reste, faites la différence, c'est des vitraux du 13e, 14e, essentiellement dans les roses. Mais vous avez la rose, par exemple, la rose nord, à 60%, c'est des vitraux du 19e siècle qui ont été remis. Continuez, monsieur Lebeau. Ça, c'est extraordinaire. C'est le montage. Votre intelligence perçoit qu'il s'agit là de la voûte du transept avec au milieu l'oculus zénital ou l'anneau de compression. Vous vous souvenez, parce que vous avez tous été à Notre-Dame de Paris, vous aviez là-dessus une vierge qui était là. Et vous aviez 4 anges autour, 4 anges gigantesques. Ces 4 anges sont tombés dans l'incendie. Monseigneur l'archevêque, ces 4 anges sont tombés. 2 de ces anges sont tombés de 30, là on est à 33 mètres de haut, 2 de ces anges sont tombés au sol et ils sont intacts. Doit-on y voir l'action du Saint-Esprit, de Saint-Gabriel ou... En tout cas, voilà. En tout cas, tout ça aujourd'hui, voilà, là vous voyez l'anneau de compression replacé. Et on est en train de placer les anges qu'on a quand même retaillés. Avancez. Bon, ça, c'est le tabouret de la flèche qui avance. Avancez. Et là, vous voyez l'état actuel. Donc, tout ce qu'on a vu avant est dessous, maintenant. Et là, on a mis les voûtes qui vont nous permettre de désolidariser, ça, c'est un moment capital, l'échafaudage de la flèche, l'échafaudage du transept, ce qui va nous permettre de commencer la reconstruction de la voûte du transfert avant que la flèche soit finie. Et c'est à ce prix-là qu'on va réussir à réouvrir en 2024. Grâce au génie de nos architectes, bien sûr, au dynamisme de la maîtrise d'ouvrage, au génie de Viollet-le-Duc, et ainsi de suite. Avancez, monsieur Lebeau. Alors là, ça c'est extraordinaire. Si vous voyez se dessiner dans l'échafaudage la ferme périphérique. Vous voyez la ferme, c'est-à-dire le début. Vous voyez sur le. Vous le devinez, c'est-à-dire le début de la reconstruction des fermes de la Charpente. Ce sont les premières. Et si vous êtes à Paris, certains d'entre vous sont à Paris le 26 juin. Je vous donne rendez-vous à 6h30 et vous verrez arriver sur des bateaux, sur des péniches, les fermes assemblées, 23 fermes qui vont arriver pour être placées sur la nef. Elles viendront du quai d'Ivry, à Ivry, où nous avons loué des entrepôts. Ces fermes arrivent soit de Normandie, soit de l'est de la France. Et elles vont arriver, et nous allons les placer. C'est absolument extraordinaire. Dans la lueur du matin de l'Île-de-France, nous allons faire un pas de géant encore vers la réouverture.
Oui, ça, vous voyez les fermes périphériques. Continuez, monsieur Lebeau. Voilà, voilà les flèches que je suis, les fermes que je suis allé voir dans une entreprise près d'Angers. Elles attendent de venir à Paris. Et là, on devine que vous voyez qu'on avance. Continuez, monsieur Lebeau. Terminé. Voilà quelques. Bon, voilà. Bon, voilà quelques éléments pour vous aider à comprendre ce chantier. Vous voyez que c'est compliqué. Je n'emploie pas le chantier du siècle. Nous y arrivons parce que je vous ai donné tous les facteurs qui nous aident. Je vous ai distillé ça et là tout ce qui s'oppose un peu à ce que ce soit plus fluide. Il y a pas mal de grains de sable, il peut encore y avoir des choses. Je ne suis pas... J'informe régulièrement le président, je ne lui ai pas dit, monsieur le président, ça y est, on a gagné. J'ai simplement dit, la dernière fois qu'il est venu le chantier, c'est-à-dire en avril 2000 de ce mois, de cette année, pour le quatrième anniversaire, quatre ans après l'incendie, je lui ai dit, monsieur le président, maintenant je peux vous dire que je crois que nous sommes bien en phase, en place pour y arriver en 2024. Mais il peut arriver un certain nombre d'événements qui rendent la chose difficile. En tout cas, nous devons être vigilants et anticiper tout ce qui pourrait s'opposer à ce succès qui sera celui de la France aidé, Monseigneur, par Monaco. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant la possibilité de poser des questions au général en levant le doigt. Nos hôtesses vont vous donner un micro. La condition est que les questions soient courtoises, bien sûr. Évidemment, mon général. Même si... Alors, bonsoir, mon général. Je suis très honorée d'avoir rencontré quelqu'un de déceptionnel comme vous. De quoi de... Merci beaucoup pour les travaux que vous faites à Notre-Dame. Ma question, c'était... on parle bien de l'Église catholique, des saints, on a même dû entendre parler des anges qui sont tombés et qui ne se sont pas cassés. Donc, on est vraiment dans le monde spirituel aussi. Je n'ai pas entendu pourquoi, à votre avis, pourquoi Notre-Dame avait brûlé. Est-ce que vous ne pensez pas que Notre-Dame a peut-être brûlé, bon, je suis désolée de le dire, à cause de l'abomination qui est entrée dans le lieu saint? Comment comptez-vous restaurer le caractère saint de Notre-Dame? Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Au début, vous avez dit que quand Notre-Dame a brûlé, vous avez vu partir l'âme de Notre-Dame. Comment faire revenir Dieu dans cette bâtisse? Est-ce que ça va devenir seulement comme monument ou est-ce qu'on va récupérer Dieu? Merci. Alors, madame, je n'ai pas dit qu'on avait perdu l'âme de Notre-Dame. Je vous ai dit qu'une philosophe française, Chantal Delsol, avait écrit... Cette nuit-là, on a vu remonter, au contraire, l'âme de la France. C'est-à-dire les gens se sont rappelés quel était le symbole spirituel que représentait Notre-Dame de Paris pour les catholiques, comme pour les catholiques non pratiquants, qui sont l'immense majorité en France, ou pour les non-catholiques. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, vous dites comment on va restaurer le caractère saint. Mais le caractère saint, c'est l'archevêque qui le fera. L'Église catholique qui a... 2000 ans d'existence, plus de 2000 ans, Monseigneur, maintenant, à des rites extrêmement précis, on reconsacrera la cathédrale, selon une cérémonie classique, et Notre-Dame redeviendra un lieu saint. Cela dit, c'était le souhait de Monseigneur au Petit, et c'est le souhait de Monseigneur Ulrich, l'actuel archevêque de Paris. Nous, à la demande de l'archevêque, il
il y a des prières dans la cathédrale. Le 16 juin 2019, Monseigneur Opetit avait demandé d'organiser une messe pour l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale. Ça avait créé. Il fallait que je dise, l'archevêque veut une messe, il aura sa messe. Il était venu le vendredi saint suivant pour se recueillir devant la couronne d'épines. Il était venu, qu'est-ce qu'il y a d'autre, monsieur Lebrun ? Il y a eu les shows de Sigui, du vicaire général. Il y a eu pour Noël une méditation avec des chants. Monseigneur Ulrich, quand il est installé, quand il arrive à Paris pour sa reconnaissance de fonction, il va de la gare du Nord, puisqu'il était à Lille, à Notre-Dame, où il est accueilli par une partie du chapitre, mais tout ça en casque, machin, truc, etc. Lorsqu'il est installé à Saint-Sulpice, je vous rappelle d'ailleurs, où je vous dis que Saint-Sulpice est la plus grande église de Paris. On met plus de monde à Saint-Sulpice qu'à Notre-Dame de Paris. Donc avant d'aller à Saint-Sulpice, il fait une prière à Notre-Dame de Paris, il fait des vêpres à Notre-Dame de Paris, ainsi de suite. Donc l'idée que Notre-Dame reste un lieu saint est complètement présente. Notre-Dame retrouvera tout son état d'église catholique, selon les rites de notre Sainte Mère l'Église Monseigneur, à partir, j'espère, du 8 décembre 2024. Voilà, madame. Nous vous remercions pour votre présence et la Monaco Méditerranée Foundation vous invite ensuite à un cocktail juste derrière vous dans la salle Jean Cocteau. Merci beaucoup, merci mon général.